Bonsoir Madame Karine Sicard-Bouvatier. Bonsoir. Hélène Bouvatier. Bonjour. Madame Elkan-Hervé. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être présentes toutes les trois aujourd'hui en cette journée donc du 25 avril, qui est la commémoration de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, pour présenter votre ouvrage, Madame Sicard-Bouvatier. Déporter leur ultime transmission, une ultime transmission qui est plus que jamais absolument indispensable. Donc merci à toutes les trois de vous être mobilisées, même si nous sommes tous en distanciel. Nous avons des internautes qui nous suivent, qui nous écoutent en ligne en cette journée très particulière. Et encore une fois, merci d'être là et merci de recevoir chez vous le camp des Mille, comme le camp des Mille vous reçoit virtuellement ici. Alors, pour les internautes qui vous écoutent, quelques mots tout de même sur le camp des Milles, hein, avant d'en venir à votre présentation, Madame Bouvatier. Le camp des Milles entre Aix-en-Provence et Marseille, c'est le seul grand camp d'internement français à être resté intact après la guerre mondiale. Et le site mémorial en tant que tel a ouvert ses portes fin 2012. Et ici, nous proposons une présentation historique des lieux préservés, une approche scientifique, interdisciplinaire et intergénocidaire, comme en fait le fondement d'une éducation à la citoyenneté contre tous les extrémismes identitaires d'où qu'ils viennent, qu'ils soient politiques ou religieux. Alors, hors crise sanitaire, nous recevons plus de 120 000 personnes par an, dont 70 000 jeunes issus de l'éducation formelle ou informelle, et nous agissons aussi au cœur des quartiers, au cœur d'espaces de vie, mais aussi, plus inattendu peut-être, dans les prisons, dans les lieux fermés, pour justement mener toujours plus loin ces réflexions et bien sûr porter nos messages sur l'importance de résister, sur l'importance de la mémoire et sur l'importance de l'éducation à la citoyenneté. Nous intervenons également dans ce cadre auprès des forces de l'ordre, auprès des publics de la fonction publique, mais aussi auprès des magistrats. Bref, au cœur de la société civile et au cœur de tout ce qui forme le tissu social de la France d'aujourd'hui. Alors nos messages, bien évidemment, tirent leur force du lieu lui-même, puisque d'ici sont partis sans retour plus de 2 000 hommes, femmes et enfants, parce que juifs, vers Drancy puis à Auschwitz à l'été 42, sur ordre du gouvernement de Pétain. Ici ont été internés également dans les années 40 et 41 des hommes qui étaient jugés indésirables, indésirables là aussi par le régime de Vichy. En fait, une majorité de gens, qui étaient-ils ces indésirables? Ils étaient des gens qui fuyaient le nazisme. Ils étaient les premiers résistants au nazisme. Nous avons ici des écrivains, des poètes, des musiciens, des prix Nobel, des scientifiques, des journalistes qui ont été internés dans nos murs, ici au camp des Milles, parce que jugés indésirables, alors qu'en fait, c'était les premiers à fuir le nazisme. Alors, quelque chose qui nous tient à cœur, et je pense que Madame Elkann va très très bien comprendre, mais vous aussi, Madame Bouvatier, et bien sûr votre fille, puis qui vous a suivi tout au long de la préparation de votre travail, il y a des engrenages, nous le savons tous, qui sont finalement toujours les mêmes dans toute société et qui conduisent au pire et qui peuvent conduire surtout à la disparition de la démocratie, comme nous le montrons ici. Et ces mécanismes sont toujours très prompts à se réenclencher. Nous l'avons documenté ici au camp des Milles à travers, je vous le disais, une approche interdisciplinaire et intergénocidaire. Le mois d'avril, c'est aussi le mois de la commémoration des trois grands génocides du siècle, le génocide des Arméniens, la Shoah, et le génocide au Rwanda. Et à chaque fois, dans nos recherches scientifiques, nous avons bien vu que les mêmes mécanismes, les mêmes engrenages s'enclenchaient pour conduire au pire, pour conduire à la Shoah, pour conduire au génocide. Mais nous avons aussi montré, et c'est la force de votre ouvrage, Madame Karine Sicard-Bouvatier, que la résistance était toujours possible, que des petits actes même étaient toujours possibles. Et Madame Elkann en témoignera, ne pas se laisser faire, ne pas laisser faire, chacun à sa manière. C'est toujours le message que nous espérons porter ici et que nous portons au camp des Milles. Alors, encore une fois, aujourd'hui, 25 avril, commémoration donc de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Madame Bouvatier, Madame Elkann-Hervé, Hélène Bouvatier, ma première question serait de vous demander, Madame Bouvatier, comment est né ce projet de faire se rencontrer, parce que c'est ça tout le principe de votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions de La Martinière, avec le soutien de Radio Classique et de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Comment est né ce projet de faire se rencontrer des rescapés de la Shoah et des jeunes qui avaient le même âge qu'eux au moment de la déportation?
quelle a été en fait la genèse de votre travail, votre méthodologie de recherche, et aussi la manière de susciter justement l'interaction au moment de ces rencontres. Alors, merci de nous recevoir. Alors, ce livre, Déporter leur ultime transmission, donc, aux éditions de La Martinière. En fait, ce projet est né, je dirais que c'est à la fois quelque chose de personnel et en même temps une envie de crier, de dire et de partager avec le plus grand nombre la mémoire de la Shoah. J'ai été, quand j'étais adolescente, très sensibilisée par mes parents en allant voir le film de Claude Lanzmann, qui m'a vraiment marquée. Et la mémoire est au cœur de mon travail, enfin, une grande partie de mon travail sur la transmission et l'intergénérationnel. Et en fait, tout cela a commencé lorsque j'ai rencontré deux rescapés. J'avais envie, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne savais pas très bien quoi. Et faire quelque chose peut-être d'un petit peu différent, parce qu'heureusement, il existe beaucoup de documents. Il y a votre lieu, il y a des films, il y a beaucoup de photographies, des textes, des livres. Mais faire quelque chose, qu'est-ce que je pouvais apporter de plus? Et puis, j'ai eu une espèce de flash tout d'un coup, parce qu'en rencontrant donc, ces deux personnes rescapées, l'un hongrois et l'autre déporté parce que résistant. Donc, il y en a deux qui sont comme ça dans notre livre, mais la majorité ont été déportés parce que juifs et de France, mais également de Hongrie, de Pologne, enfin, c'est l'Europe entière. Et donc, la rencontre avec ces deux rescapés, et donc j'ai eu une sorte de flash parce que mes enfants, dont Hélène qui est présente ici, ont l'âge des déportés lorsqu'ils sont partis en déportation, donc des jeunes, des adolescents, cueillis au cœur de leur jeunesse. Et tout d'un coup, ça m'a semblé presque évident de lier ces deux générations, et je trouve encore aujourd'hui, avec ce que nous vivons, le Covid, le lien intergénérationnel est encore plus important. Et par ailleurs, nous arrivons à la fin d'un cycle parce que, avec grande tristesse, effectivement, c'est une génération qui peu à peu s'en va. Dans mon livre, plusieurs sont déjà partis, ne sont plus là. Et ce nouveau cycle avec la jeunesse, la génération d'Hélène, ma génération aussi, bien sûr, mais les jeunes qui vont être ces prochains porteurs de mémoire, ces prochains relais. Et donc, il m'a semblé essentiel de documenter cette rencontre entre, ici, par exemple, Judith et Hélène et Théa qui étaient présentes, donc d'avoir de documenter, d'ancrer en fait ce témoignage par des photos et des textes, et un texte. Et puis d'impliquer les jeunes, parce que je me suis dit, en impliquant la jeunesse, ça lui permet de se sentir concerné, de se dire que ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, des choses qu'on regarde dans les livres d'histoire, mais j'ai eu ça m'a fait très plaisir, parce que j'ai une amie qui a le livre, et sa fille, qui est adolescente, s'en est saisie, parce qu'elle a vu qu'il y avait des jeunes en photo, et donc elle s'est dit, tiens, c'est peut-être des jeunes comme moi, et donc ça l'a interpellée. Et le fait d'avoir ces jeunes, c'est à la fois créer ce dialogue entre les rescapés et la jeunesse qui va être ce porteur de messages, et que cette rencontre, la photographie, le fait de se voir, de créer l'émotion. Et l'émotion, par les textes et la photographie, permet de... Voilà, quand on est saisi par quelque chose, comme moi j'ai été saisie d'ailleurs par le film de Lanzmann, ben, on s'en souvient, ça marque, et on en parle. L'idée, c'est de partager avec le plus grand nombre. Alors, justement, là, je m'adresse évidemment toujours à toutes les trois, mais plus spécifiquement à Madame Elkann et à Hélène Bouvatier. Dans votre rencontre, et à chaque fois que vous avez suivi votre mère, Hélène, comment vous avez ressenti, vous, en tant que jeune, ces rencontres? Et vous, Madame Elkann, qu'est-ce qui a forgé votre parole? Est-ce que ça a été douloureux, spontané? Est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous que ce témoignage, que cette ultime transmission? Est-ce que vous pourriez m'expliquer, toutes les deux, nous expliquer à tous les internautes qui nous suivent, comment se fabrique finalement, comment se tisse un lien entre un jeune d'aujourd'hui et vous-même, Madame Judith Elkann? Moi, j'ai suivi du coup ma mère dans, je dirais, 4 ou 5 des
les entretiens qu'elle a eus avec les rescapés des camps de concentration. Dans un premier temps, parce que ça m'intéressait énormément de pouvoir écouter ces témoignages, mais aussi parce que j'ai plusieurs de mes amis, dont Théa, et aussi Alexandre et mes frères qui ont été pris en photo du coup avec ces rescapés. Et donc pour les accompagner, et pour aider aussi ma mère dans l'installation de toutes les des photos, j'ai fait un grand travail d'assistant à ce moment-là. Mais du coup, j'ai eu la chance d'écouter 4 ou 5 témoignages différents, 4 ou 5 histoires complètement différentes. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout à portée de main dans l'enseignement scolaire. On a souvent les livres, on a ce que nous racontent les professeurs, mais on a rarement quelqu'un. Moi, j'ai Madame Kolinka qui était venue dans mon lycée, qui fait pas mal de témoignages, mais tous les élèves n'ont pas cette chance-là. Et pouvoir écouter de vive voix ces témoignages était pour moi absolument exceptionnel, en fait. Et ça m'a, pareil, beaucoup émue et je me suis sentie très chanceuse, en fait, de pouvoir m'enrichir autant de témoignages différents et essayer de comprendre, enfin, pouvoir être à même de comprendre mieux le processus, comme vous avez expliqué tout à l'heure, de la déportation, du dégénocide, etc. Et est-ce que Madame Alcanervé, ce qui est toujours très porteur dans tous les témoignages que nous avons dans cet ouvrage, c'est qu'ils finissent presque tous, je ne dirais pas sur une note d'espoir, ce serait exagéré, mais le vôtre, Madame Elkan, finit sur une parole d'enseignement qui est très belle, « Il faut aimer la vie ». Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir avec nous et partager ce témoignage une nouvelle fois? Comment on revient déjà de si on, jamais on en revient, et comment on retrouve la force de dire dans un livre, face à des jeunes d'aujourd'hui, il faut aimer la vie? Je pense que quand on aime la vie, on a eu une enfance heureuse comme moi. J'étais aimée par mes parents, par ma famille, par mes amis, bon, même à l'école, mes camarades de classe, où j'étais la seule juive dans la classe. Ce que j'ai raconté à Karine, j'avais des amis, et donc pour moi la vie était, je peux dire, la vie était belle, la vie était belle. Bon, la tragédie qui a interrompu cette belle vie m'a appris beaucoup de choses, certainement, mais a toujours sauvegardé en moi d'aimer la vie, de vouloir vivre et partager cette vie, parce que la vie en soi, enfin, maintenant âgée, je connais la solitude aussi, et je peux voir que la vie, pour moi, encore aujourd'hui, vraiment n'est que à travers les autres, l'amitié, l'affection et le souvenir aujourd'hui, parce que je pense que tous ceux que j'ai aimés, que ce soit ma famille ou mes amis, ou même des gens que je n'ai pas aimés, mais que j'ai entrevus peut-être seulement, mais qui ont disparu à ce moment-là dans en déportation de ma ville, de mon entourage, ils peuplent ma vie, ils sont là. Donc, ils me soutiennent en quelque sorte et j'ai le devoir même. Même si je n'étais pas toujours peut-être heureuse, enfin le bonheur est quelque chose de enfin c'est des moments, ce n'est pas en durée, mais la vie en quelque sorte je ressentais aussi une obligation de profiter de cette vie qui m'a été laissée. Alors que tous les autres autour de moi, pas tous non, mais beaucoup sont partis dans ces circonstances tragiques, et j'ai le devoir de garder leurs souvenirs, et j'ai le devoir, donc la vie m'est précieuse parce que je transmets aussi, mais pas que pour ça, parce que j'ai eu vraiment une vie, je peux dire que j'ai eu, même après la déportation, l'affection de ma mère, de mon mari, de mon fils, de mes amis,
Et là, le cadeau m'a été fait de rencontrer Karine et les jeunes, les deux jeunes filles. Bon, c'est un cadeau incommensurable, c'est ça la vie. Et alors, bon, je me permettrai de vous dire que en hébreu, le Haïm veut dire la vie. Et quand on boit, par exemple, en français, on dit santé ou à la vôtre. Bon, chez les Juifs, on dit souvent le Haïm. Mais ce qui est curieux, c'est que le mot le Haïm, je viens de l'apprendre récemment par la rabbine Hurwiller, que le mot le Haïm, la vie, en hébreu, est en pluriel. Le singulier n'existe pas. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Pour moi, le pluriel, le Haïm, pour moi, ça signifie les vies. Les vies, en traduction exacte, c'est les vies et non pas la vie. Mais les vies de qui, de quoi? Nous tous, l'humanité. Et ça, je suis profondément attachée. Et là, bon, ce n'est pas le mot le Haïm qui m'a converti à cette... à ce sentiment, mais ça me rassure et ça me donne l'explication en quelque sorte de cet attachement aux autres et qu'il faut toujours garder. Une question également pour vous trois, mais Madame Elkan, vous avez témoigné donc dans le livre de Madame Karine Sicard-Bouvatier. Qu'est-ce que vous avez envie, là, j'ai envie de vous demander sur le vif au cours de cette rencontre virtuelle, de dire à ces jeunes, vous avez compris, le camp des mille, c'est une partie importante de notre public et jeune. Qu'est-ce que vous auriez spontanément envie de leur dire, au-delà de ce que vous avez déjà pu dire, ou si c'est la même chose, simplement de leur répéter? À quoi faut-il faire attention pour que le pire ne se reproduise pas, justement? Bon, il faut partager toujours avec les autres, il ne faut pas vivre... replié sur soi, il faut être ouvert, curieux, et il faut évidemment éviter séparation, la haine, moi je suis toujours, j'ai l'impression qu'il faut se mélanger aux autres, il faut plus on est différent. Plus notre vie est riche, la différence est une richesse. Donc, je considère que les jeunes doivent pas tenir compte de quelle nationalité, de quelle religion nous sommes. Nous sommes des humains et nous avons beaucoup plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous séparent. Et c'est ça l'essentiel pour moi. Et j'ai toujours cherché à vivre dans des milieux qui ne m'étaient pas exactement habituels ou proches. Et ça, c'est une richesse, je crois, que la vie m'a donnée. Et je tiens à remercier Karine, et parce que c'est un cadeau pour moi de fin de vie d'avoir rencontré justement quelqu'un qui vient d'un autre monde que le mien et qui a compris beaucoup de choses parce que, alors, c'est Saint-Exupéry qui a dit qu'on ne regarde l'essentiel qu'avec le cœur et pas avec les yeux. Et on entend l'essentiel par le cœur et non pas uniquement par l'ouïe. Et Karine est cette femme qui a su entendre avec le cœur. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté. Hélène, vous vous reconnaissez dans ce que vient de dire Madame Elkan? Je pense que oui, si vous pouvez nous raconter peut-être une anecdote, je ne sais pas si le mot est exact, mais ce qui vous a particulièrement accroché ou ce qui vous a particulièrement marqué dans les entretiens auxquels vous avez assisté, auxquels vous avez participé. J'ai rencontré Judith, moi, à deux reprises. La première fois pendant la prise de photos pour le livre avec mon ami Théa, et une deuxième fois il y a pas très longtemps pour une autre interview. Et en fait, j'ai réfléchi à cette question en me disant qu'il fallait que je trouve un moment, mais j'ai pas réussi à choisir un seul moment de ma rencontre avec Judith.
simplement des paroles qu'elle m'avait dites, enfin un moment où elle a évoqué que elle a évoqué le ciel bleu de Auschwitz qu'elle regardait avec sa mère et qui la rattachait en fait à l'humanité entière et qui lui faisait et ça m'a fait prendre conscience que que le monde est grand et qu'on est on n'est jamais vraiment vraiment seul et de toute façon même ce que vient de dire Judith là c'est pour moi une grande leçon d'humanité que les jeunes en tout cas qui ont encore toute la vie devant eux doivent écouter. Nicole Louvatier, comment vous avez suscité, je reviens un petit peu en arrière, à chaque fois dans cette interaction, est-ce que c'était toujours très spontané? Est-ce que quelquefois on sait que la parole sur une mémoire aussi douloureuse peut être difficile à recueillir? Nous le savons, quel que soit, j'ai envie de vous dire, nos professions, sociologues, photographes, journalistes, est-ce que ces interactions ont été toujours spontanées, naturelles? Est-ce que quelquefois il y avait beaucoup de poids de cette mémoire? Comment avez-vous réussi, j'ai envie de vous dire, non seulement au niveau des portraits, mais aussi au niveau de tous ces témoignages que l'on retrouve dans votre livre, à deux voix, à trois voix quelquefois? Comment on fait cette alchimie, en fait? C'est une bonne question. C'était, je dirais que chaque rencontre était, était différente. Il n'y a pas eu une seule rencontre pareille. Chacune était très forte en émotion. Et c'est vrai, quand je rentrais ou quand j'étais avec Hélène, on en parlait au dîner le soir. Souvent, je partageais. Et me semblait important. Alors, c'est dans le... c'était très intense, très douloureux aussi parfois pour les rescapés de raconter parce que ça reste quelque chose de difficile et en même temps on sent un besoin, une nécessité de transmettre, de dire et de raconter. Et donc moi j'ai choisi les jeunes que j'ai choisis, je les ai choisis donc par bouche à oreille, mais également je voulais qu'il y ait une grande diversité de personnes. Ils sont venus comme ils étaient, de niveaux sociaux différents, de couleurs de peau différentes. Et ça me semblait très important d'avoir, comme le disait Judith d'ailleurs tout à l'heure, c'est s'adresser à tout le monde quel qu'il soit pour se dire que cette histoire-là, il faut que chacun s'en saisisse. En fait, chacun est responsable maintenant. Et même beaucoup de certains survivants qui effectivement restent malgré tout très gardent au fond d'eux un optimisme, mais en même temps nous disent au travers, enfin si tous les jeunes, donc quels qu'ils soient, quelle que soit leur couleur de peau, peuvent se reconnaître comme un jeune et être témoins pour pouvoir à leur tour se faire ces passeurs de relais. Et le fait d'écouter ces messages-là, peut-être, je ne sais pas, mais si ça peut participer à... Parce qu'on n'est pas à l'abri hein, de choses, on le voit encore aujourd'hui, mais de participer à un processus qui fasse soyons vigilants, voilà, et qu'on soit... Voilà, on est tous ensemble, ce que disait Judith, on est tous une même espèce, et soyons tous vigilants. Donc, c'est choisir ces jeunes qui étaient tous différents permettait de les sensibiliser aussi et de faire en sorte que cette histoire nous appartienne à tous. Mais chacun, chaque jeune qui a participé, en général, lisait la biographie donc de la personne, était intéressé par le sujet et très souvent très ému, intimidé. C'est-à-dire qu'il y a eu, certains ont posé quelques questions, d'autres peu. C'est vrai que moi, je le dis dans mon avant-propos, il y a un jeune homme, Alexandre, qui, je n'ai pas mesuré combien il était bouleversé en écoutant un témoignage, et c'est vraiment en zoomant sur la photo que j'ai vu qu'il avait les larmes aux yeux. D'autres sont restés très muets après, je leur disais « qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Et quelquefois, j'avais peu de choses, et après, j'avais un mail très long où ils me confiaient tout ce qu'ils avaient retenu, mais donc, il y a eu beaucoup aussi dans la réception, je pense, des messages. C'était très fort, en fait. Ça les a tous marqués. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame Scaroulettier, et vous-même, Madame Elkan Hervé,
Est-ce qu'on est investi aujourd'hui, Hélène Bouvatier, je pense qu'on va aussi vous écouter. Là, nous sommes à 3 générations ensemble ce soir. Chacun investit finalement à notre manière de ce rôle que vous nous transmettez, Madame Elkan, que vous avez transmis à Karine, qui le transmet à sa fille. Vous-même, vous le transmettrez sans aucun doute, Hélène. Mais j'ai envie de vous dire de quelle manière pratique peut-on transmettre aujourd'hui et pourquoi transmettre ? Sur quoi faut-il être vigilant, en fait ? C'est quoi la vigilance dans notre monde aujourd'hui pour que le pire, c'est ce que nous disons ici au Camp des Milles, ne se reproduise pas ? Je me souviens, dans votre témoignage, Madame Elkan, vous évoquez les premières lois anti-juives qui ont sévi en Hongrie. Est-ce qu'il était déjà trop tard à ce moment-là ? Quand est-ce qu'on sait qu'il est trop tard ? C'est une question difficile, hein, j'en ai bien conscience. Mais à partir de quel moment on prend conscience, vous, évidemment, mais aussi dans n'importe quelle société, dans n'importe quel contexte, on ne sait pas ce qu'on devrait faire ? Qu'on n'arrive pas à résister. Et de quelle manière aujourd'hui, Hélène, là la question est plutôt pour vous, de quelle manière aujourd'hui vous vous investissez ce rôle de témoin à votre tour ? Si je peux commencer à répondre, on remarque aussi que la plupart, même la grande majorité des événements, des crises, des génocides se passent en temps de crise où les pays sont... Le peuple est juste trop faible pour s'assembler, en fait. Et pour éviter de recommencer, c'est avant tout, je pense, écouter tous les témoignages des gens qui ont vécu ces atrocités-là et prendre ça comme guide pour ne pas reproduire ce qui s'est passé, mais également être toujours dans le, comme l'a dit Judith, dans l'écoute et l'acceptation de l'autre avant tout, pour éviter tous les génocides. C'est avant tout des discriminations raciales, des discriminations religieuses qui n'ont pas lieu d'être et qui laissent place à des atrocités. Donc, s'ouvrir aux autres, pour moi, et écouter les autres et savoir vivre avec les autres est pour moi la leçon la plus simple, et je vais être complétée par, bien sûr, ma mère et Judith sur ça. Mais la plus simple pour éviter toute atrocité encore. Ce racisme, Madame Judith Elkan, cet antisémitisme extrêmement violent tel que vous l'avez vécu, il est toujours présent au fond de nos sociétés. C'est aussi le sens de votre témoignage, c'est le sens de tout l'ouvrage de Karine. J'ai envie de vous demander à toutes les trois encore, et particulièrement à vous, Madame Elkan, nous, en tant que citoyens, c'est le message qu'on fait passer au Camp des Milles, encore une fois, c'est cette notion d'engrenage. On sait très vite qu'il est trop tard, que l'on aurait dû faire ci, que l'on ne l'a pas fait, que l'on a été passif. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire, Madame Elkan, c'est-à-dire dans une espèce de passivité face à la monstruosité du racisme et de l'antisémitisme qui a conduit à la Shoah ? Oui. Moi, je considère que l'indifférence de certains, bon, il y a ceux qui sont actifs, c'est-à-dire ils cherchent des coupables, et surtout en temps de crise, et des crises, il y en a toujours, presque toujours, dans l'histoire, la nôtre, mais dans le passé, à travers les âges, et on cherche des coupables. Et les coupables sont en général des minorités, c'est-à-dire les faibles. Mais c'est toujours ainsi, les faibles, dans tous les domaines, ont moins de chances de gagner ou de se hisser à égalité avec les autres. Et malheureusement, les autres en profitent. Et les coupables, donc, sont ceux qui sont en minorité, en nombre, et aussi en capacité d'agir. Parce que, bon, l'antisémitisme, il faut aussi considérer que pendant très longtemps, les Juifs n'avaient pas de citoyenneté dans aucun pays. En Hongrie, c'était au milieu de la deuxième moitié
du 19e siècle où l'égalité et la citoyenneté des Juifs a été accordée. Et dans d'autres pays d'Europe, je ne connais pas l'histoire, mais c'était probablement peut-être un petit peu plus tôt, mais similaire. Donc, il faut agir, il faut rester très actif aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons ce pouvoir grâce à toute la technologie moderne qui nous permet d'être en lien avec l'autre bout de la Terre, du monde, être au courant de ce qui se passe en Asie, en Afrique, etc., de nous opposer et être non pas indifférent, parce que ce qui se passe en Asie ou en Afrique, bon, souvent on laisse les gens, qu'est-ce que ça peut me faire, c'est loin. Non, non, l'indifférence est à mon avis un péché mortel, impardonnable. Il ne faut pas être indifférent à tout ce qui se passe dans le monde et il faut essayer d'agir chacun ce qui est dans son pouvoir, parce que nous n'avons pas, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, nous choisissons d'ailleurs ces pouvoirs. Souvent ceux qui choisissent ne sont pas à la hauteur. Bon, mais nous devons être actifs et réagir et non pas l'indifférence. Comme je le répète, pour moi, pour moi, c'est pas le mal qui est banal, c'est l'indifférence qui est banale. Et c'est ça, contre l'indifférence, qu'il faut qu'on se... Bon, je ne dis pas qu'on se révolte, mais qu'on le refuse. Mmh. Bon. Et qu'on agisse. Et effectivement, sans doute, nous le mettons souvent en valeur ici. J'ai envie de vous dire, par l'éducation citoyenne que nous proposons au camp des Mille, nous le mettons toujours en exergue. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, comme vous le dites vous-même, hein, Madame Bouvatier, Hélène et Madame Elkan, ce n'est pas toujours des grands gestes. C'est aussi des petits gestes. C'est exactement. Effectivement, il me semble, hein, refuser à un moment. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Madame Bouvatier? Et refuser et oser, c'est-à-dire face à une parole, face à une injustice. Ce que vous dites est très juste, c'est des petites choses, mais c'est voilà, une conversation entre amis, quelqu'un qui dérape un peu, ben, c'est oser le remettre à sa place de manière pas désagréable ou agressive forcément, mais juste remettre les choses à leur place. Et c'est des petites choses du quotidien, dans la vie de tous les jours. Et je pense, Hélène, aussi, que ce soit voilà, parmi les jeunes, où on est amené à rencontrer des jeunes d'environnements totalement différents et pouvoir s'adapter à tout environnement et d'être vigilant et oser prendre le risque de soi-même se mettre un peu en danger en disant ben non, moi, je suis pas d'accord et d'oser se... Et je suis d'accord avec ce que dit Judith, effectivement l'indifférence finalement c'est ce qu'il y a de pire, et c'est reconnaître l'autre en tant qu'être humain, c'est le regarder et tu es là, je te reconnais, voilà, tu es un homme. Tu es quelqu'un et je te reconnais en tant que tel. Et c'est ce que me disait d'ailleurs Ginette Colinka, qui a été photographiée avec Sifa. On a vu l'image là tout à l'heure. Elle lui disait... On va la remettre. Et elle disait à Sifa, elle était contente d'être avec Sifa, et elle disait, mais tu sais, toi, quand tu te blesses, de quelle couleur est ton sang? Et Sifa, elle dit, bah, il est rouge, évidemment. Elle dit, bah, le mien aussi. Tu vois, on a le même sang, donc on est pareil. Et c'est vrai, quelquefois... Rappeler ces messages-là, tout simple, on est des êtres humains et qu'on a, ce que disait Judith au tout début, on a tellement à apprendre les uns des autres et à partager et s'enrichir de nos différences plutôt que l'inverse. Et plus on sensibilise, et c'est ce que vous faites au camp des Mille, mais plus on sensibilise les jeunes, plus on les mélange, plus on les fait discuter, échanger, ils ont des idées différentes, on fait débattre, plus on arrive à partager et à s'entendre. Et je pense que ce livre, donc Déporter leur ultime transmission aux éditions de La Martinière, finalement, c'est peut-être un livre, c'est pas tellement sur la religion, c'est déplacé plus loin, c'est un livre sur la fraternité, finalement. Et... C'est tout à fait vrai. C'est la mémoire essentiel d'un drame absolu, d'une tragédie,
mais c'est l'élargir pour que tout le monde s'en empare et se sente responsable. Nous sommes tous voilà, responsables. Alors derrière moi, vous voyez sans doute ce poster hein, c'est, qui est déjà qui est affiché derrière moi, donc Mémoire pour demain. J'ai envie de vous dire aussi, vous, Hélène Boupatier, c'est Mémoire pour aujourd'hui également, puisque vous êtes jeune, donc investie aussi de cette mémoire pour aujourd'hui, qui vous a été transmise via votre maman, qui vous a été transmise par ses témoignages. Je remercie Madame Judith Elkan d'avoir participé à ce témoignage en direct, même si encore une fois, c'est avec beaucoup de regrets que nous le faisons par Zoom, et nous espérons bien sûr vous accueillir en présentiel dans quelques temps, quand la situation sanitaire avec plaisir le permettra. Alors, mémoire pour demain, certes, mais j'ai envie de dire mémoire pour aujourd'hui, mémoire pour résister aujourd'hui, mémoire pour combattre aujourd'hui. Mémoire pour combattre, évidemment. On a vu tous les mouvements qui sont aujourd'hui, avec aux États-Unis le Black Lives Matter. Les populations entières sont discriminées tous les jours. Et c'est, comme le disait ma mère, c'est un devoir de corriger les gens et en fait éduquer quelque part, même si sans avoir la prétention d'éduquer à chaque échelle. Et c'est du coup oui, mémoire pour aujourd'hui, c'est enfin toutes les personnes qui ont écouté et qui peuvent transmettre des témoignages qu'ils ont écoutés se doivent de le faire pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là. Madame Judith Elkan, Madame Sicard Boupatier, je vais vous laisser le mot de la fin. Mémoire pour aujourd'hui. Oui, je pense que ma plus grande joie serait que les jeunes voilà, s'emparent de ce livre et puis d'autres choses du même, enfin, d'autres outils du même type et se sentent concernés, surtout que c'est pas une histoire comme ça, c'est que chaque voilà, personne se sente concernée. Et ce que disait Hélène est juste. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Birmanie. Enfin, il y a plein de drames encore, mais qu'on lutte chaque jour par des petites choses au quotidien pour vivre davantage en fraternité. Et je reste optimiste. Madame Judith Elkan, vous restez alors sur cette mémoire pour aujourd'hui, cette mémoire pour demain, cette mémoire de la transmission, mais qui nous apprend autre chose que la mémoire aussi, qui nous apprend le combat, qui nous apprend la manière effectivement d'aimer la vie, comme vous le dites si bien. Mémoire pour aujourd'hui, mémoire pour demain, c'est une transmission, voilà, c'est une chaîne qui ne s'interrompt pas. Oui, mais là, je voudrais faire un aveu, les derniers mots de mon mari, qui est décédé il y a 14 ans maintenant. Oui, les derniers mots, c'était « Je garde ma foi dans l'humanité ». Et ça, pour moi, c'était… Bon, je le connaissais donc depuis 60 ans, donc je sais que c'était vrai, que c'était sincère. Et pour moi, c'est la même chose. Je garde, malgré tout, malgré tout ce que l'homme est capable de faire du mal, c'est pas du mal, mais peut-être pas volontaire, mais bon, je garde une foi dans la vie, dans l'humanité, dans l'homme. Je pense que l'homme n'est pas foncièrement, ne veut pas foncièrement le mal, mais il faut l'éduquer. L'éducation est une chose extrêmement importante, extrêmement, par l'école, par les livres, par tout ce qui nous est donné à apprendre, et aussi par la beauté de ce que nous avons autour de nous, la nature, les plantes, les arbres, les fleurs, les arts, la peinture, la musique surtout. Bon, tout ça doit nous donner de la force pour lutter et pour essayer d'aller vers un monde plus équilibré. Bon, je ne veux pas dire un monde meilleur parce que c'est difficile à y croire, mais quand même d'humaniser
au plus nos enfants et la jeunesse et nous-mêmes. Et en plus, alors, en ce qui me concerne, mon dernier mot, c'est je voudrais non seulement que le souvenir de... Parce que le souvenir de la déportation de la période du XXe siècle que nous avons vécu est écrit dans le livre d'histoire. Mais ceux qui sont partis, qui ont disparu, ne sont que dans nos cœurs. Et bon, je ne peux pas transmettre tous ceux que j'ai aimés, que tout ce que j'ai vu, je l'ai dit au début, tous ceux qui sont dans ma mémoire, mais j'espère tout de même avoir peut-être quelque chose, que j'ai transmis quand même quelque chose d'eux, et que leur souvenir, même après mon départ, va rester auprès des personnes à qui je l'ai transmis. Voilà. Effectivement, je crois qu'à travers ce livre, on démontre une fois de plus, Madame Sicard-Pauvretier, que chacun peut agir, hein, que chacun peut résister à sa manière, que la mémoire est une arme également, surtout quand elle est transmise. Ce livre, c'est un acte de résistance et de transmission. Et je remercie infiniment toutes les trois, Madame Judith Elkan, Madame Sicard-Pauvretier, Hélène Bouvier. Merci de votre témoignage, merci d'avoir participé à cette présentation de votre ouvrage. Et merci pour vos témoignages avec les internautes qui nous suivent en distanciel et encore une fois dans l'espoir de vous revoir très vite en présentiel cette fois au camp des Mille pour porter ce message encore une fois que nous portons tous les jours d'éducation à la citoyenneté. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous et au camp des Mille pour tout ce que vous faites. Merci Madame Elkan. Merci.